Madaloupna, je viens de me s'appeler, j'ai 18 ans. Là, je me suis inscrit au lycée Luzarman pour une formation BTS métier de l'eau. Pourquoi métier de l'eau? Bah, je l'ai choisi pour pouvoir apporter un petit plus à mon île, car on sait que il y a des problèmes d'eau souvent. C'est ma première année. Et là, on vient de faire notre entrée hier. Et ça s'est passé comment? On nous a bien accueillis, bien expliqué comment les 2 années de BTS vont se passer, les stages, où on peut aller faire les stages. On nous a tout expliqué. Et tu sais que les stages, c'est maintenant là qu'il faut se lancer pour les Oui, chercher? on nous a bien dit de préparer ça en avance avant mai. Le stage va faire 6 semaines. BTS, métier de l'eau. Est-ce qu'il y avait possibilité de faire ça à Mayotte? Non. C'est pour ça que j'ai décidé de quitter Mayotte et venir faire ma formation en France, ici à Chambéry. Et t'as passé quoi justement du fait de quitter ton île, tes habitudes, ta famille, les amis? En France, faut vivre la solitude. Et j'ai décidé de venir vivre la solitude et découvrir et changer d'air un petit peu, découvrir la France. Donc tu connais personne ici? Si je connais un frère qui est ici et qui m'a hébergé, qui m'aide à découvrir la ville, à m'intégrer. Donc tu ne vas pas vraiment vraiment vivre la solitude là. Mais un peu. Moi, je suis habitué à vivre avec ma famille, ma mère, mon père et mes frères et soeurs. Et mes amis que j'ai depuis tout petit, qui sont à Mayotte, c'est un sacrifice que j'ai fait. Donc ton départ de là-bas, il a été préparé comment par rapport à au billet, au dossier de logement, à la bourse? Pour venir ici, j'ai demandé une aide PME à la DOM, passeport mobilité pour les étudiants. Il y a des dossiers à préparer, qu'on a accès à cette aide. Et pour la bourse, ça a été un peu difficile pour moi. Parce que avec le confinement, j'ai mis du temps à ouvrir mon compte bancaire. Il y a mon dossier qui est toujours en cours de traitement. Je crois toujours Toujours pas pas. validé, Non. toujours en cours de traitement. Oui. Et qu'est-ce qui bloque là en ce moment? Je sais pas si le Crous l'a eu, mais je l'ai envoyé par courriel à La Réunion, puis qui va le transférer dans le Crous de Grenoble. Pourquoi à La Réunion alors que justement tu venais à Chambéry, donc de l'Académie de Grenoble? Tu es hébergé. Oui. Tu es hébergé chez un membre de la famille, donc t'as pas pris de logement. Non. Et tu prévois d'en prendre ou pas? Peut-être peut-être l'année prochaine. Le fait justement d'avoir quitté la famille là-bas, d'être venu jusqu'ici, changement d'environnement, changement loin de la famille, le climat différent, la population différente, la ville forcément différente, je ne sais pas comment Oui. t'appeler. Chambéry, m'appeler, ça n'a rien à voir. Et ça te... Quelle impression t'as eu justement par rapport à ce changement, ce gros changement? Pour moi, c'est un grand changement. Qui est différent de Mayotte, la culture, le comportement des gens qui est pas comme celle de Maoris, parce que là-bas on se connaît presque tous et on se parle. T'as fait ta rentrée hier, donc forcément t'as pas encore vécu les cours, t'as pas vu comment ça se passait par rapport aux profs, aux programmes et tout ça. Et donc tu veux pas trop nous parler de ça, mais ta rentrée par rapport à les rentrées que t'as eues là-bas, au collège, lycée, comment ça s'est passé? Ça a été comme les mêmes rentrées. On nous a bien accueillis, on nous a mis en confiance. Comment ça va se dérouler l'année, comme les autres rentrées. Et est-ce que tu as eu des conseils par rapport à genre ton frère qui est ici ou d'autres personnes avant que tu partes pour que tu t'expliques justement ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter justement pour que ça, tout se passe bien?
Oui, j'ai eu des conseils à mon frère qui est ici, à me concentrer plus à mes études, ne pas trop sortir, aller en boîte, trucs comme ça. Il faut qu'il m'a bien expliqué que je dois être concentré à mes études. Ok, bon bah merci Lubna, merci de ton temps, merci de ta disponibilité, de ton partage. Et on espère que justement cette année, cette première année qui vient de commencer se passe extrêmement bien, que tu puisses te concentrer et réussir ton année, pouvoir continuer aussi et être parmi les points positifs du futur quoi, qui vont faire avancer, voilà, L'île. faire avancer Mayotte et justement nous donner une bonne eau à boire quoi. Bah merci À vous et aussi. au revoir. Au revoir.